Et bien salut à tous, c'est Superflo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Apex Legends avec Revenant. Et savez-vous que Revenant vous pouvez devenir invisible pendant quelques secondes? Alors, quand je dis invisible, c'est façon de parler, je vais vous expliquer. Donc vous avez du coup l'ultime avec Revenant, vous avez pas mal de choses. Donc l'ultime, je vous présente un peu Revenant si vous le connaissez pas. Vous avez tout simplement l'ultime, c'est le totem et le silence. Il peut faire des dégâts et vous pouvez venir invisible avec le silence. Donc oui, avec le petit silence qui est là, en fait vous pouvez tuer des personnes ou blesser des personnes, mais vous pouvez aussi vous cacher avec à l'intérieur. Donc c'est pas des bêtises. Donc si vous lancez sur un joueur par exemple, ça peut faire des dégâts. Donc ça fait ça son silence. Vous voyez, on fait 10 de dégâts. Il y a des moments où vous pouvez le lancer sur une personne qui est super low et du coup ça peut la tuer. Mais aujourd'hui on va pas parler ça, on va parler que vous pouvez venir invisible avec Revenant. Donc oui, c'est pas des bêtises, j'ai testé et tout le monde en parle un peu sur les réseaux sociaux. Je ne le savais pas du tout, j'ai vu ça, on m'a partagé un peu sur Twitter en disant que il y avait une astuce avec Revenant pour devenir invisible. Mais moi je l'avais fait comme ça, j'avais joué avec un pote et du coup sans PS3, bah, voilà, j'ai joué. Et juste après, on a vu la vidéo. Donc oui, vous pouvez devenir invisible avec Revenant. Donc ça dure pas longtemps. Donc regardez, vous avez juste à utiliser son atout. Donc par exemple, si vous faites une boucle comme ça, vous pouvez tout simplement vous mettre à l'intérieur. Donc si vous êtes bien caché et c'est bien positionné, il y a des joueurs qui vont passer devant et ils vont pas vous voir. Je vous rassure, ça marche vraiment. Ça dure pas longtemps. C'est pas un truc où vous allez rester invisible pendant toute la game. Mais si par exemple vous êtes en galère, vous êtes en, je sais pas, en top 2, en rank ou même en normal, vous êtes en top 2 ou en top 3 et que vous êtes dans un endroit où il y a un petit bâtiment à l'extérieur ou à l'intérieur, vous pouvez vous planquer, vous avez peur qu'il y ait un joueur qui vous trouve, et bah par exemple vous pouvez l'utiliser deux fois l'atout. Donc vous avez la première fois, vous voyez, on peut l'utiliser la première fois et la deuxième fois. Bah la deuxième fois vous la planquez, du coup vous mettez dans un petit coin et les joueurs qui vont passer ils vont pas vous voir du coup. C'est ça l'avantage, et ça je vous affirme que ça marche vraiment, et ça c'est vraiment cool de troll des personnes. Par exemple vous utilisez du coup, comme je vous dis, le petit atout, vous planquez, vous l'utilisez bah, soit dans un endroit, dans un buisson, ou au niveau d'un bâtiment pour éviter que quelqu'un vous voit, ou contre un mur, vous utilisez les deux. Le premier vous blessez du coup le joueur, et le deuxième du coup bah, vous essayez de le cacher. Et du coup ça vous permet tout simplement de vous planquer pour recharger, pour vous soigner, et ça c'est très pratique. Donc j'espère que cette petite astuce vous a plu, dites-moi si vous la connaissez et si vous l'avez testée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir l'utiliser, me planquer et du coup de pouvoir recharger tranquillement. Donc si vous êtes accroupi ça fonctionne super bien, mais essayez, c'est vraiment cool. Il y a des joueurs qui vont pas vous voir du coup parce que bah du coup c'est vraiment bas, regarde bien. S'il y a un joueur bien planqué, vous êtes comme ça. Donc s'il y a des joueurs qui vont faire gaffe maintenant, mais si les joueurs ne font pas gaffe, vous avez juste à recharger, vous êtes tranquille, vous rechargez et vous tirez. Et comme ça, bah du coup c'est fait. Vous pouvez tuer des ennemis et faire un top 1 en même temps. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un maximum de pouces bleus. Et dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez testé. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les jours et moi je vous dis à très vite et salut à tous.